Bonjour à tous, bonjour les piquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu F1 Manager 2023. C'est un jeu qui vient de sortir sur toutes différentes plateformes. Xbox, PlayStation, PC, etc. Donc F1 Manager 2023. Donc je vais tester ce jeu pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire et voir si ça vous intéresse d'y jouer ou pas. Alors actuellement il est gratuit sur le Game Pass de la Xbox, mais si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez acheter le jeu pas cher, en dématérialisé, il suffit juste d'aller dans ma description, cliquer sur le lien Instant Gaming, ça vous envoie sur leur site. Enfin, vous êtes sur leur site, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte grâce à mon lien, vous pourrez acheter des jeux dématérialisés à prix réduit. Donc n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez. Alors on va tester une nouvelle carrière. On va tester. Alors, la F1, je m'y connais un petit peu. Je ne suis pas un très grand expert de la F1. Voilà. Il y a plein de petits réglages et tout à faire dans tout ce qui est championnat de F1. Le moteur, les pneus, les trucs comme ça. Moi, le basique, essence, pneus, c'est ce que j'arrive. Tout ce qui est petit paramétrage, là, c'est pas trop mon truc. Je connais un petit peu le sport F1, bien sûr. Je suis un petit peu l'actualité. Je regarde un petit peu. Ça m'arrive de regarder des grands prix. Je sais que là, cette année, Verstappen est déjà champion et il a 16 victoires au compteur. Donc, voilà. Donc là, je regarde un petit peu, je vois un petit peu ce que je propose et voir si ça vous intéresse. Alors, définir les paramètres de carrière. Là, j'ai. Sur le papier, Ferrari a réalisé une saison exceptionnelle en 2022. Bon, c'est dommage, c'est que tu peux pas être obligé d'avoir. Les petites écuries, voilà. Enfin, t'as les écuries normales, mais t'as pas de petites. De la 9e place, son pire classement depuis qu'elle a adopté son nouveau nom. Mais ils ne peuvent pas. Mais c'est dommage, tu peux pas créer une équipe toi-même d'écuries petites que tu essaies d'affronter les autres. T'es obligé de prendre les gros, les connues quoi. Là, t'as Red Bull, Ferrari, Mercedes, ça c'est Alpine, c'est ça, hein. Alpine, celle-ci je la connais pas. McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, Honda, As, pardon, Toro, Tori, ouais, et ça c'est Volvo, William Racing, ouais, ça je la connais pas trop. Bon, moi je vais prendre celle-ci, hein, voilà, j'ai pas trop l'habitude, hein. Donc, ok. Prénom officiel, bon on laisse comme ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le jeu, à vous de paramétrer, je mets standard, hein. Piquette. Donc, nouvelle partie, Biquette écurie. Officiel, ouais, ok. Allez, vas-y, on va tester un petit peu, voir comment ça se passe. Est-ce que tu signes des contrats? Je vais être le nouvel officiel d'écurie. Ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Audrey, une des ingénieurs de l'équipe. Venez, je vais vous présenter tout ça. D'accord. Chez Red Bull, nous enchaînons les victoires et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. J'espère que vous avez une endurance à toute épreuve. Tout à fait. Nous attaquerons la saison avec plus de détermination que jamais. Dans cette zone, vous disposez d'une vue. Le conseil a défini les objectifs à atteindre pour la saison. Si vous les respectez, la confiance du conseil restera élevée. Alors, familiarisez-vous avec ces demandes. Et pensez à garder un œil. À partir d'ici, vous pourrez savoir quelle sera la prochaine course de. Ça se passe aussi. Comme il s'agit de votre premier jour, il n'y a pas d'urgence. N'hésitez pas à explorer. Ok, donc là, t'as le conseil ici. Tout d'abord, un mot sur le conseil. Ce sont confiant. Qui fixent les attentes de l'écurie. S'ils ont. N'oubliez pas d'aller souvent voir le conseil. Ah, le conseil, tu l'as en bas à droite. Ok. Donc là, tu peux paramétrer installation. Vous pouvez voir toutes les installations de l'écurie. Ok. Des bâtiments du personnel à l'entrée. Là, vous voyez ce qu'il y a. Donc vous pourrez montrer votre main. Les installations se dégraderont. Faut réparer.
Repérage de circuit des pilotes, personne. C'est pas seulement la voiture la plus rapide. Vous pouvez consulter. Donc après là, tu paramétrage directeur technique responsable pour avoir des meilleurs scores. Et note les contrats, voilà, 2 ans de contrat, donc c'est 2 saisons. Pilote. Allons à la rencontre des pilotes. Là, il est, lui, il a 4 ans de contrat et lui 2 ans. Pérez. Et Ricardo en 3e. Ah ouais, putain, il allait me dire qu'à l'époque il roulait. Le perfectionnement des voitures. Ok. Vous pouvez consulter les. Les courses, circuits, calendrier, voici email. Votre boîte de. Ok. Alors, où c'est qu'on démarre? Réparation de la course. Allez, vas-y. Donc ça, Bahreïn. Bahreïn, donc t'as circuit, Grand Prix 2004, longueur de circuit, nombre de tours, distance de. Ok, ça marche. Alors, comment on fait performance? Objectif de performance, astuce pilote et configuration de voiture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Ah, ça, c'est les informations. Manche suivante. Ah, c'est RT en haut. Faut passer au jour suivant. Important, boîte aux lettres. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal de choses à regarder, je présume. Donc, ça, c'est le personnage clé. Permettez-moi de vous présenter les sponsors. Là, faut que j'aille négocier. Alors, question. Les revenus provenant. N'oubliez pas que. Merchandising. Ouais, venant. Je peux pas cliquer dessus pour l'instant, j'en ai pas. Ok. Gérer une écurie de F1 coûte cher. Et la majeure partie du budget de l'écurie est décidée par. Après, faut. Vous prenez des décisions financières. Ok. N'oubliez pas. Moi je vais pas voir ça, moi je veux qu'un. Alors j'ai pas fini mes mails. Moi, je vais vous montrer une course pour que ça commence, hein. Comme ça vous pourrez. Attends, moi je veux aller à la course. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai rédigé un rapport sur la façon dont nos pilotes se sont développés. Ouais, moi je veux aller à la course. L'équipe des stands est un rouage essentiel de notre équipe. Le plan de développement de l'équipe. Donc voilà, vous aurez pas mal de choses à lire et à écouter. Hein. Moi, je vais vous montrer un petit peu la. Confirmer le changement. Ok. Moi, je vais à la course. Vas-y, début de saison. Allez, vas-y, montre-moi un petit peu. Ah, boîte aux lettres, qu'est-ce qui se passe? Préparation de Bahreïn. Allez, la préparation de la course. Oui, ça, on s'en fout, moi je. Voici les objectifs de performance pour le week-end à venir. Ok. Si nous les atteignons, nous gagnerons des revenus supplémentaires. Mais si nous n'atteignons pas l'objectif. Alors là, je choisis. Position, qualification. Il me demande de nombre de pilotes. Deux positions aux qualifications de deuxième. Nombre de pilotes 1, position deuxième. Série de positions aux qualifications. Là, je gagne beaucoup plus de sous par garantie. Après, j'ai pris les deux premiers, donc logiquement. Allez, je suis chaud, prends celui-ci. Ok, comment je reviens? Ah, tu peux pas, c'est modification, ok. C'est juste te montrer, c'est les. Si t'avais des bonus. 4 qualifications et tout. Alors. Et voilà, c'est reparti. C'est le retour de la F1. Vas-y, montre-moi un petit bienvenue peu alors. Bienvenue dans votre premier week-end de course avec l'écurie. Un week-end de course classique commence par 3 séances d'essai, puis une séance de qualification et. Ça marche. Si vous souhaiterez, nous pourrons passer à autre chose. Alors, on est vendredi, il y a 2 séances d'essai. 3e essai samedi, 3 qualifications et la course dimanche. Ça marche. Faut voir les sponsors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Allez, à la course. Votre zone de préparation de course. C'est là que vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin avant la prochaine session d'essai. Ça marche. L'équipe élaborera un plan de session, mais libre à vous.
N'hésitez pas à consulter le... Alors... Toi, c'est ça, c'est dommage que j'ai pas... Tu commences pas avec une petite... que tu crées ton écurie, avec un petit logo, et que tu affrontes les autres écuries, et que tu montes en classement et en truc, en faisant des bonnes opérations. C'est ça, c'est dommage. Allez, vas-y, montre-nous un petit peu ton... J'appuie sur RT pour commencer, ça marche pas. Je suis pas préparé. Ouais, mais... Comment tu passes, là? C'est bon. Pendant le week-end de course, vous pouvez décider de gérer vous-même les séances d'essai. Donc, comme c'est votre premier week-end de course, allez, vas-y. Vous pouvez laisser l'équipe s'occuper. Simuler la séance, gestion d'essai 1, simuler jusqu'à qualification. Ah ouais, elle va tester des... Je décide gestion. Ah, je peux pas. Ah merde. Je vais simuler. Premier et deuxième. Parfait. En pneus souples. Ils ont fait 23 tours, ils sont pas trop utilisés, ils sont bien placés, ils ont même fait beaucoup d'avance sur le troisième Alonso. Hamilton est 8ème. Pour aider à maximiser les performances de nos pilotes, l'équipe et vous pour les week-ends à venir devrez travailler sur ces trois points pendant les essais. La connaissance du circuit, la connaissance des pièces et la configuration de la voiture. L'expérience d'un pilote chaque fois que vous... Il y a pas mal de choses à regarder, hein. Progression d'objectif 89. Pourquoi ça pue pas? Et vas-y, je joue à la course, moi. Est-ce que les pilotes vont réussir? Allez, fais voir les qualifications. Bon, t'as beaucoup de gestion pour l'instant, mais j'aurais bien voir les courses. Ah, tu peux pas de suite passer aux qualifications, faut attendre. J'appuie sur RT, ça marche pas. Les essais, ah. Vous pouvez gérer les qualifications à votre place si vous souhaitez. Non, je vais nous au travail pour cette manche. Allez, je gérer la qualification. Les pilotes doivent établir leur meilleur temps alors afin de pouvoir passer à la prochaine séance de qualification. Les 5 voitures les plus lentes seront éliminées pour le reste okay. des qualifications. Ok, ça marche. Bien. Mettons une voiture sur la piste pour voir comment c'est. Ok, alors j'envoie Verstappen. Allez, vas-y. Ouh, il est numéro 5. Ok, d'accord, il part. Je vais avancer un peu plus que... Pour que ça aille un peu plus vite. Faire un petit tour pour voir comment ça se comporte. Très vite pendant un week-end de course, mais si vous avez besoin de reprendre votre bien sûr, si je l'ai vu, car n'oubliez pas que vous gérez deux pilotes lors d'une session, alors vous pouvez même voir la course depuis la calme. Ouais, alors un fois 8, d'accord, fois 16 aussi pour que ça aille plus vite. Allez, il va faire son premier tour. On va voir le temps un peu qu'il a fait. Super! Notre premier tour lancé est validé. Ah ouais. Gardez un œil sur le classement tout au long de la session. Ça marche. Pour s'assurer que nous restons en dehors de la zone d'élimination. Ça marche. Lorsque vos tours lancés seront terminés, les pilotes retourneront automatiquement au stand. Je vais envoyer. Comment ça? Confiance d'un pilote peut basculer du positif au négatif tout au long d'un week-end de course en fonction des événements survenus sur la piste. Vous pouvez surveiller le niveau de confiance d'un pilote plus gros. Je vais envoyer Pérez. Est-ce que je peux pas envoyer Pérez? RB, voilà. Ah d'accord. Allez, vas-y. On va Pérez. Ah, il a arrêté le temps.
Je vais faire en x8. Hop. Il va rentrer, Verstappen, non? Il est rentré. Notre pilote est de retour au garage. Je vais reconfigurer la voiture avant de pouvoir le renvoyer sur la piste. Ça marche. Voir, configurer. Ici, vous pouvez voir toutes les gommes de pneus disponibles pour le week-end. Ouais. Vous devez utiliser au moins 2 gommes différentes lors d'une course sur piste sèche. Ok. Pluie, c'est I et W. Intermédiaire et W, c'est le puits. Très humide, humide. D'accord, t'as tous les paramétrages et tout à voir. Voilà, là. Tu m'étonnes. Mais faut que j'en utilise 2 pour la qualification ou pour la course? Ah, faut que je sauvegarde quelque part. Est-ce que je sauvegarde? Confirmé. Ok. Allez, Perez, allez, fais-moi un bon petit. Bon petit. Quatrième pour l'instant. On prend le contrôle manuel. C'est vrai, tu peux conduire? Alors, Perez, faut qu'il monte son score. Par contre, Verstappen, pour l'instant, ça va. La gestion de l'allure aide à contrôler la température. Gardez un œil sur l'état des deux voitures. Pas mal de petits paramètres. Allez, fonce. Agressif. Vas-y. Carburant, tu peux utiliser. Les instructions sur le carburant indiquent au pilote comment gérer la consommation de carburant de sa voiture. Gardez un œil sur le carburant. Vas-y. Faut que tu finisses dans les trois premiers, moi. Dans les deux premiers. Par contre, je veux bien repasser, voilà. Hop. Vas-y, montre-moi Perez. Et elle, il n'y arrive pas, hein. Ah, il est rentré. Ah merde, il fallait pas qu'il rentre. Ah merde, hop, hop. On a fait pause. Là, il faut réussir à... Je peux pas renvoyer? Qu'est-ce qui se passe? Limite de temps, position 4ème, qu'est-ce qui se passe? Temps à 92%, donc c'est bon. Hop, renvoyer. Il reste, faut qu'il batte son corps. Il reste 3 minutes. Faut qu'il batte son record. Ouais, premier et deuxième, cool. C'est bon, premier et deuxième pour le Q1. Parfait. De toute façon, c'était Q1. Il faut être dans les 15 premiers. Parfait. On a atteint les Q2. Excellent travail. Parfait. En Q2, les 15 voitures les plus rapides des Q1 s'affrontent pour... On continue. Continue. Je vais passer directement la course, hein, je pense, je vais voir. Je vais directement la course. On va s'ils se qualifient tous les deux. Q2 et Q3. Premier et deuxième. Ah, il y a même Perez qui est passé devant Verstappen. De beaucoup. En Q1, Verstappen devant. En Q2, Verstappen devant. Et en Q3, ben Perez. Juste à la fin. Elle est passée en dessous de 1:30, hein, Verstappen. En Q2. Bien. Allez, on va se... Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements. Allez, vas-y.
un seul jeu de pneus s'usera complètement avant la fin de la course. Il faudra donc effectuer au moins un arrêt au stand par pilote. Ouais. N'oubliez pas que chaque arrêt au stand ajoutera du temps à ce tour. Il faut donc réfléchir soigneusement à quand et pourquoi faire un arrêt au stand. Ça marche. Ah, la planification, d'accord. Planifier les stratégies de course permet d'analyser... Théo, ok. À présent, définissons... Ah, faut que tu définisses maintenant. Chaque week-end de course, ici, vous pouvez consulter... Si vous pensez qu'une approche différente... Alors, comment tu fais ça? Tour 1 à 8. Je vais prendre... graphique de la course. Il va faire beaucoup de temps, hein, c'est ça? Soleil, pas de puits. Ok. Donc, c'est souple, médium. Ok. On va commencer par plutôt du... Pourquoi il demande de changer de 3 pneus? 2 arrêts au stand. T'as pas besoin de 2 arrêts, non? On va voir tout l'aussi, alors. Vous êtes satisfait d'une stratégie, voyez avec l'autre pilote. Le mieux est d'envisager une stratégie différente pour chaque pilote. De cette manière, on peut profiter des événements en course et les deux voitures ne s'arrêteront pas au stand au même tour. Ok. Alors, en fait, tu peux prendre exactement le même truc, mais à différentes périodes. Ok. Ouais, mais je veux pas que ça arrête au même moment. Hein. C'est ça le problème. Faut pas que ça arrête au même tour. Ça, c'est dommage. C'est que tu dois paramétrer à l'avance. Tu vois. Ça, c'est vraiment dommage. Faut que tu paramètres quand tu cours, quand il roule, c'est l'instant présent, tu modifies. Ici, à Sakhir, les projecteurs illuminent la piste. C'est pas normal. C'est le Grand Prix de Bahreïn. Go, 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 go! Et les feux s'éteignent, ça y est, c'est parti pour la course. Bon, allez, plus vite. Prends de l'avance ou pas? Ouh, je me suis fait doubler, non? Ouais. Hop, oh, Leclerc est passé premier. Attends. Vers le bas. Ici, l'allure, c'est trop gentil. Agressif, hein. Je suis désolé, mais... attaque agressif. Ouais, il se laisse faire. Si vous souhaitez revoir ou ajuster votre stratégie de course, il vaut mieux comprendre le déroulement de la course. Allez, vas-y. Je suis attaquant, moi. Ah, Leclerc, il m'a mis la mine, hein, quand même. Pérez est premier. Cool. Ouais, j'ai mis attaquant, hein. Il faut attaquer, les mecs. Hein. Faut pas se regarder. Ah, dans les deux premiers, parfait. Le carburant. Le power, ça va. Les pneus, ça va. Je suis à quel niveau de tour? Je suis à 10 tours sur 57. Allez, faut prendre le large, les gars. Vous êtes deux, faut prendre le large. C'est qui est premier? C'est Vivens. Hop. On va mettre agressif, mais pas attaquant. Voilà. Là, on a pris le large sur Leclerc. Je vais mettre pareil. Hop. Agressif, mais pas attaquant. Ok. Voilà. Ça va mieux comme ça.
toujours premier, j'ai toujours un peu d'avance. Lorsque vous définissez une stratégie pour une voiture, une fenêtre d'arrêt au stand sera créée pendant laquelle il vous sera conseillé de vous arrêter. L'ingénieur de course vous indiquera également le tour d'arrêt au stand optimal selon votre stratégie. Durant un week-end de course, à mesure de... Ah, faut pas que ça attend en même temps. N'oubliez pas que même si vous avez déjà une stratégie... Ici, vous pouvez voir si nécessaire, vous... durant une course... Moi, je veux voir par rapport à la deuxième voiture. Par contre, c'est des longues courses, hein. Et il va rentrer au standard, non? Non, c'est le prochain tour. Est-ce qu'il me rattrape? Pour l'instant, 4, 3, 9, pour l'instant, le temps redescend. C'est le tour d'arrêt au stand optimal pour cette course. Lors d'une course, les pneus doivent être... Ouais, rentrer au stand à ce tour, oui. Aucun changement, non. C'est pas maintenant, c'est le tour suivant. Voilà. Faut pas les rentrer en même temps, les gars. Hop. Comment tu sauvegardes après? Ouais, c'est ça le problème. C'est, je veux pas mal les rentrer qui rentrent maintenant, quoi. Ils vont pas tous les rentrer, tous les deux rentrer en même temps. Comment tu divers à un niveau ou pas? Ça c'est mal fait. Tu peux pas choisir. Ça c'est paramétrage de. Hein, c'est mal fait ça. Je vois pas comment tu peux changer les deux. Faut pas qu'ils rentrent en même temps. Je suis sûr qu'ils vont rentrer en même temps. Ça va faire perdre du temps. En plus, il se fait rattraper par le clair derrière. Ça, ils sont juste derrière. L'autre. Je suis où, hein? Je suis où? Ah, là-bas, ouais. Ah, j'ai repris de l'avance sur Alonso. Ils ont fait les changements ou pas? Pneus foutus, je peux plus rien faire, ils sont morts. Ouais, ben bah, retourne au stand, hein, qu'est-ce que je te dise? Ah, ils sont morts, il vient juste de les changer. Ben bah, rechanger. Pneus. Medium. Ouais, voilà. Usure. Pneu majeur. Hop. Hop. Tu mets celui-ci. Vas-y. Ça, je comprends pas ça. Le problème, c'est que les deux s'arrêtent au stand. Ouais. C'est chiant ça. Normalement, tu peux pas t'arrêter comme ça. Je suis désolé. Hein. Tu peux pas paramétrer avant. Hein. C'est mal fait, dommage, alors j'ai pas vu. Enfin voilà, vous voyez le jeu, donc il y avait pas mal de choses à paramétrer et à gérer dans le... Enfin, normal, hein. Mais un peu trop pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas si vous souhaitez acheter le jeu à prix réduit
N'hésitez pas à aller sur ma description, cliquez sur le lien Instant Gaming. Une fois que vous êtes sur leur site, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé le compte grâce à mon lien, vous pourrez acheter des jeux dématérialisés à prix réduit. Donc faites-vous plaisir. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.